Coucou, c'est Simping. Peut-être des fois, il n'est pas très évident pour toi de différencier « il est » et « c'est » en français. C'est intéressant ? Il est intéressant ? Il est mon voisin ? C'est mon voisin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence entre « il est » et « c'est ». 首先我们来看这个 « c'est ». 它首先有介绍的意思, c'est pour présenter quelqu'un ou quelque chose. « C'est Marie », tu peux choisir « voici Marie », »,« c'est nous », »,« c'est moi ». 我们也可以在电话中告诉别人我们是谁. C'est qui au téléphone? C'est Maxime. 当我们听到 qu'est-ce que c'est 的时候, 也可以用 c'est 来回答. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de grammaire. 那它的复数就是 ce sont. Qu'est-ce que c'est? Ce sont trois oranges. 那我们再听到 qui est-ce? 也可以用 c'est 来回答. Qui est-ce? C'est mon frère. 所以我们在视频开头的那个疑惑, 这是我的邻居的正确说法是 c'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est 后面可以加一个限定词, 然后这个名词的后面呢, 也可以加一个形容词, 比如说, c'est un élève très doué. C'est un élève très doué. 那么 c'est 也经常会在强调结构中遇到, 比如, c'est-je que c'est qui? C'est moi qui ai fait la cuisine. C'est ce film-là que je veux regarder. 当然我们也会听到 c'est 加形容词 来表示感叹. C'est super, c'est intéressant. C'est magnifique. C'est dommage. 还有我们在 c'est 加形容词 再加 a 的情况下也会遇到. 比如说 cet article c'est facile à comprendre. Cet article c'est facile à comprendre. 在这个句型中呢 c'est 加形容词 再加 a 再加一个动词, 这个动词务必是及物动词. 而且我们知道及物动词后面的这个宾语指的是什么. 当然我们也可以换一种结构来说 同一个意思, 那就会用到 c'est 再加形容词, 再加 de, 再加动宾. 比如刚刚的那句话, 我们就可以说成 C'est facile de comprendre cet article. C'est facile de comprendre cet article. Si tu veux débuter en français ou si tu veux reparcourir les points importants du niveau débutant en français, en ce moment, j'ai lancé une formation 从零开始学法语 du niveau 1-1. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à consulter l'article qui parle de cette formation sur mon compte officiel WeChat. Et maintenant, je vais parler de la structure « il est ». 第一种情况下, « il est » 中的 « il » 它是一个第三人称代词单数, 但是这个第三人称代词单数既可以指人也可以指物也可以指动物, 后面的成分可以是指业名词, 可以是形容词, 也可以是指其他成分. 那我们来先看指人的时候, 我们可以说 « il est français »,« il est gentil », Il est médecin, il est de Paris. 指物的时候我们可以说 Il est à moi ce livre. Il est très intéressant ce film. 但是 il est intéressant 和 c'est intéressant 有什么区别呢? C'est intéressant 指的是大家感同身受, 都觉得很有意思, 或者是这个 c'est 中的 c'est 撇儿 代表 ce, ce 就是大家都知道的那个东西, 或者是情景. Il est intéressant 强调的是 反正就是阳性单数的那个东西, 很有趣。 比如我的例子里面指的是这部电影很有趣. 那么再来看指动物的, Il est trop chou ton chien. Il est trop chou ton chien. 那么再来看 il est 的第二种情况, 就是当这个 il 是一个无人称代词, 它只有这一种写法, 而这个 il 在句子中不代表人、动物或者是一个东西, 它就是这么样一种说法. 比如我们在表达时间的时候会用到 il est 这个结构, Il est 8 heures, Il est tard. 同样在无人称代词这个大前提下, il est 后面也可以加形容词, 再加 de, 再加动词原形. Il est important de savoir parler français si on vit en France. Il est important de savoir parler français si on vit en France. Il est intéressant de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Il est intéressant de découvrir de nouvelles choses chaque jour. 这个后面的 de 加动词原形也可以换成 que, 再加虚拟式. Il est important que tu comprennes cette leçon. Il est important que tu comprennes cette leçon. 这个就是法语中 c'est 和 il est 之间的区别. C'est clair pour toi ?